Abbiamo 9 studi di registrazione qui presenti adesso in Italia. Sì, siamo i più grandi, sia in Italia che in Europa ovviamente. En 1994, la valeur totale des ventes de disques dans le monde a atteint 35 milliards de dollars. Selon les estimations, la dance music, tous styles confondus, représente au moins 15% de ce marché. Au sommet des ventes, de véritables industriels du son, comme ici, chez Media Records à Brescia, en Italie. Comme DJ Bobo, Media est un indépendant qui livre ses produits clés en main à une quinzaine de distributeurs à travers le monde. Chiffre d'affaires de la société l'année dernière, 11 millions de francs suisses. Et son chiffre d'affaires double chaque année. Le créateur de Media, c'est lui. Ah, sorry. Gianfranco Bortolotti. Bon, je vais vous faire visiter les studios de la Media Records. Nous avons commencé il y a 7 ans avec un petit studio dans la cave. Maintenant, nous en avons une dizaine. Là, c'est le studio de la musique italienne. Le studio le plus beau, le plus raffiné, avec les machines les plus belles. Raffinato e diciamo anche dimostrativo della Media Records, ci sono le macchine più belle. Qui invece facciamo musica dance. Dans celui-là, on produit de la dance music. Che è il cantante del Clubhouse che sta. En ce moment, c'est Carl, le chanteur de Clubhouse, qui enregistre son nouvel album. Massimo e Mauro che sono i produttori dell'album. Massimo e Mauro sono i produttori dell'album. Questo è uno dei tanti studi. Ce n'est qu'un des nombreux studios. Sur cet étage, il y en a 3, mais on en a aussi en dessous. Di sotto, 3 dall'altra parte. I think she's good to me. Clubhouse, c'est l'un des projets les plus importants de Media. Une vraie machine à tube. Clubhouse est actuellement numéro 1 en Italie après avoir placé des hits en Europe et aux USA. Clubhouse est un projet de dance music. C'est un groupe de personnes qui travaillent dans un studio, DJ, producteurs, musiciens et moi qui écris les paroles. Ce n'est pas vraiment comme un orchestre. Quand vous faites de la dance music, il n'y a pas d'instruments à part des claviers. C'est de la musique électronique. La grande différence entre la pop music et la dance, c'est que vous n'avez pas de musiciens qui jouent en direct. C'est juste beaucoup de travail dans les studios, mais vous obtenez les mêmes résultats. Le nom de Clubhouse existe depuis plus de 10 ans, mais Carl n'est là que depuis 2 ans seulement. Carl est un vrai chanteur. Mais il est aussi et surtout l'image publique d'un produit très fabriqué. Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes le visage humain d'une machine à musique? Oui, c'est vrai. Parce que je suis le chanteur de Clubhouse, mais Clubhouse est un grand projet. Je dirais que je suis la pointe de l'iceberg. Là, nous avons 3 autres studios. Celui de DJ Professor, qui s'occupe exclusivement de recherche sur les musiques nouvelles, les nouvelles tendances. Il travaille pour Heartbeat, un sous-label de Media Records. Celui-là, c'est un studio très important parce qu'il travaille principalement sur nos grands projets comme Capella, 49ers ou Clubhouse. Lui, c'est un nouveau disc jockey qui monte comme producteur. Il est très fort. Dans cette troisième pièce, on produit plutôt un type de son plus allemand, plus saxon. Ça plaît beaucoup en Belgique ou à Rotterdam.
Là, c'est une petite salle d'édition qui sera bientôt déplacée. On va aménager trois trous avec des perches, comme les pompiers, pour descendre au niveau inférieur, où on va construire trois nouveaux studios. Évidemment, on pourra encore utiliser l'ascenseur, parce que tout le monde n'aura pas le courage de prendre les perches pour descendre. Chez Media Records, on produit des tubes 10 heures par jour avec la régularité d'une usine de conserve, en utilisant au maximum les possibilités de l'électronique. Dans chaque studio, un musicien, mais surtout un disc jockey. C'est lui qui dirige le projet, il oriente le son en fonction des goûts du public et des choix de Gianfranco Bortolotti. Les créateurs sont mensualisés. Salaire moyen d'un disque jockey, environ 2300 francs par mois. Un salaire simplement correct en Italie, mais avec la perspective de toucher plus tard de confortables droits d'auteur. Ici, l'important, c'est la vente. Chaque chanson est réalisée en plusieurs versions différentes. Plus d'une vingtaine pour les hits qui marchent très bien. Nous faisons beaucoup de mix, de remix qui sont utilisés pour permettre aux disques de se vendre le plus possible dans chaque territoire. Et pour chaque territoire, nous produisons la version adéquate. Certaines versions s'adaptent mieux au marché teuton et à l'extrême-orient, comme le Japon, Hong Kong, Singapour et aussi l'Australie. Il y a par contre des versions qui sont très bien pour l'Occident, pour l'Amérique et pour quelques grandes cités comme Paris et Londres, des villes très cosmopolites, très riches d'influences ethniques, avec des petits clubs au public recherché. Et puis nous avons aussi des versions moyennes qui peuvent convenir à plus de territoires, des versions qui traversent les frontières. C'est une stratégie qui est comparable à celle de l'industrie automobile. Par exemple, quand BMW ou Mercedes produisent des voitures, ils doivent tenir compte des exigences et des goûts des gens dans différents territoires. C'est une production orientée par le marketing. Guarda che c'è la ragazza che mi sta aspettando. Io sarò lì in una mezz'oretta. Dì che in 5 minuti sarò lì, tra poco, pochissimo. Va bene? Ciao, 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 ciao. Siamo alla discoteca Paradiso. Nous sommes à la discothèque Paradiso. C'est là où on a commencé à travailler, moi et DJ Pierre, qui est actuellement un de mes DJ. Era il disc jockey numero uno in questa discoteca. C'était le DJ numéro 1 de cette discothèque. Elle est très grande, avec beaucoup de salles et de nombreuses personnes qui y travaillent. C'est là que j'ai débuté. J'ai fait 2-3 ans et j'ai commencé à comprendre que ça pouvait être amusant de produire des disques parce que c'était l'extension de ce que je faisais la nuit. Et j'ai commencé à avoir du succès. Quelle différence il y a entre produire du rock et produire de la dance music? Le rock est fondamentalement différent de la dance par la manière de porter une star sur le devant de la scène. Dans le rock, on travaille beaucoup plus de manière souterraine pendant des années pour construire le groupe et les fans. Donc les investissements sont importants dans le temps. Dans la dance, tout peut arriver en très peu de mois. Dans l'ensemble, je dirais que c'est un produit beaucoup plus marketisable. Ça comporte des facilités à faire exploser un artiste, mais en même temps des facilités à le faire mourir. La rotation des groupes et des produits de dance peut être très rapide et quelquefois comparable à des produits de supermarché.
Mauro est disc-jockey. Il a produit une pléiade de tubes pour médias. Pourtant, il travaille encore tous les samedis soirs en discothèque. J'y viens encore une fois par semaine, parce que ma passion est toujours plus grande. Je ne voudrais pas travailler seulement en studio chez Media. Pourquoi est-ce que Gianfranco veut que tous ces disc-jockeys continuent à travailler en discothèque? Parce qu'il faut tester sur les gens, voir ce qui leur plaît, ce qui les fait danser. Avec quelle chanson il s'amuse le plus, pour rester toujours à l'avant-garde. Mauro est l'un des producteurs-compositeurs de Capella. Selon Media, Capella, c'est 30% de son chiffre d'affaires et 9 millions de disques vendus au total en 7 ans. On ne change pas une équipe qui gagne, pas pour Gianfranco. Kelly et Rodney, les deux jeunes Anglais qui représentaient l'image publique du groupe depuis 18 mois seulement, viennent d'être remerciés. Reste maintenant à trouver les successeurs. Gianfranco a organisé un casting pour choisir la nouvelle chanteuse parmi 150 jeunes filles. C'est le casting que nous avons fait à Londres. Ah, ti piace? Oui, il y a deux ou trois choses à corriger. Par exemple, il faut enseigner à ballare parce que fa schifo questa qua. Poi i capelli, via, tagliamo, li facciamo diventare rossi. La bocca. Rosso, la bocca. Ha fatto il test lì per. Sto aspettando i risultati dalla clinica. Vedi, la bocca è bella grande, solo che gli mancano le labbra sopra. Bella. Monsieur Bortolotti, perché vous avez remplacé Capella? Parce que les deux anciens artistes de Capella sont devenus fous. Leurs cerveaux ont explosé. Ils sont devenus des superstars mondiales en très peu de temps, sans avoir le passé d'une rockstar. Alors, arrivés au sommet, sur les scènes et à la télévision, leurs égos ont explosé. Ils sont devenus intraitables, ingérables. Ingestibili. Nous avons retrouvé Kelly à Londres. L'ancienne chanteuse de Capella semble se porter plutôt bien. Payée grassement sur les ventes de disques, elle a de quoi voir l'avenir avec assurance. L'ancienne petite caissière tente aujourd'hui une carrière solo sous le patronage de nouveaux producteurs. Quant à son départ de Capella, sa version diffère quelque peu de celle de Gianfranco. Je n'ai pas été virée. C'est moi qui ai voulu quitter Capella de ma propre volonté et contre l'avis de Media. Il y avait plein de choses qui me déplaisaient. Les horaires étaient démentiels. Ne me comprenez pas mal. Je veux travailler dur parce que je pense que ça vaut la peine de travailler pour ce qui est bon dans la vie. Mais avec Capella, on faisait littéralement 7 pays en 7 jours. Des centaines de kilomètres en avion. On ne dormait jamais. Bon, c'est l'eau détournée, mais ça aurait pu être fait avec plus d'intelligence. Après une année et demie, j'avais envie de me tirer. C'est fou, c'était fou de faire Capella. Bon, ça fait partie du succès, j'apprécie. Et c'était dingue, on n'avait plus de temps à soi. Je ne pense pas que ce soit injuste. Je pense que c'est le music business. Questa è sexy, né? Questa è quella, ti ricordi, quella che hanno preso dopo per fare il corpo di ballo, probabilmente. Adesso è un po' Sharon Stone, questa, io sono sempre più convinto. Però cantare è penoso. La nouvelle chanteuse de Capella, la voici. Elle s'appelle Alison, c'est une jeune londonienne de 22 ans. De ce casting à aujourd'hui, elle a déjà beaucoup changé. Nous lui avons coupé les cheveux, teinte en rousse parce qu'elle était blonde. Nous lui avons donné un look plus sauvage et aussi un peu plus érotique, plus piquant, qui fascine les petits mecs qui achètent la musique de Capella.
Maintenant, nous sommes en train de nous occuper de modifications importantes, comme par exemple lui gonfler la lèvre supérieure pour obtenir un visage plus accrocheur pour la presse et les photographes. Dans une décontraction toute latine, rien chez Média n'est laissé au hasard. Même l'emblème de l'Empire Média nous rappelle confusément quelque chose. À l'origine, le logo, c'est l'inscription Média. Nous l'avons disposé comme cela parce que je suis parti de l'idée de faire un logo qui rappelle une bobine d'enregistrement. Mais qui rappelle contemporainement une certaine culture japonaise, l'inspiration philosophique de mon entreprise, son orientation philosophique japonaise du travail. Et dans le même temps, une structure hiératico-militaire imposante comme celle de l'Empire nazi. Bien entendu, seulement le meilleur, pas le pire. Et je pense que nous avons réussi l'amalgame de ces trois choses dans cette marque. Aujourd'hui Brescia, demain le monde. Pour Bortolotti, faire danser en rythme une bonne partie de la planète n'est pas qu'une affaire de mode. Selon moi, un cycle s'est terminé. Au moment où le cycle du rock s'est achevé, celui de la dance a commencé. C'est lié à une révolution culturelle et politique. C'est une ouverture nouvelle, l'ère des computers et de la communication interactive et multimédia, qui a beaucoup d'affinités avec la musique dance. C'est la musique de la nouvelle génération qui utilisera ces moyens pour communiquer. Selon moi, la house music est la renaissance de la musique. À 36 ans, Gianfranco Bortolotti est aujourd'hui résident monégasque. Il s'offre régulièrement quelques petits cadeaux puissants, rapides et surtout très chers. Mais il ne veut pas pour autant s'endormir sur ses lauriers. Il vient de racheter un réseau national de radio et pense déjà à de futurs développements. Mon intention est de construire une société multimédia européenne qui se développe dans tous les secteurs du divertissement. L'Angleterre a toujours été le marché préféré de Gianfranco Bortolotti. Et tout naturellement, Média vient d'ouvrir une succursale à Londres. Voici Kimberly, une jeune dame fort bien de sa personne, l'une des dernières découvertes de Média Angleterre. Ici, on applique à la lettre les principes d'organisation du maître, renifler l'air du temps à pleine narine et éviter les dépenses inutiles. Pour l'instant, le studio est dans une petite cave. La cerise sur le gâteau, c'est que Kimberly est un homme, une drag queen pour les initiés. How much time did it take to record this? Not very long. it's an easy sort of song. How much did you get to record? How much did I get? Well, I don't know yet. The sales keep pouring in. Are you a singer, a performer? Are you an image? How do you see you? I didn't know we were gonna get so personal. I see myself as a performer, not only a singer, but as an actor, actress as well, and fashion model as well. That's the way I see myself, not just as an image. I mean, my image just happens to be quite fashionable at the moment. Drag has taken off. It's been around for such a long time, but
In the 90s, it's taken off so much. It's like punk in the 80s. It's like the hippies in the 70s. My image is quite, you know, trendy, nouveau, riche. Malheureusement pour Kimberly, sa chanson n'a finalement pas vraiment marché en Angleterre. Même chez Media, dans le business, on ne gagne pas à tous les coups.